le chef d'une organisation internationale d'espionnage, a été chargé de percer les secrets du dernier avion supersonique français. Précisément, deux pilotes d'essai canadiens doivent venir tester cet appareil à la base aérienne de Dijon. Ils sont enlevés en route par l'organisation. Deux espions, qui sont leurs parfaits sosies, leur sont substitués. Les faux officiers canadiens débarquent à Dijon où nul ne décèle la supercherie. Seul, le capitaine Merlet, un pilote entraîné jadis au Canada, a des soupçons. Avant d'avoir pu alerter ses supérieurs ou ses équipiers Michel Tanguy et Ernest Laverdure, le capitaine Merlet est victime d'un guet-apens monté par les deux espions. Le lendemain matin, sur la base, personne encore ne se doute de rien. Ne sois pas si nerveux. Dans 3 heures, nous aurons passé la frontière. Toi en voiture, moi en avion. Il ne nous reste plus qu'à aller récupérer chacun nos 10 000 $ de primes. Ça va déclencher un scandale effroyable. Je vois d'ici les journaux. Un avion français muni de dispositifs ultra-secrets volé à la base de Dijon par 2 faux officiers canadiens. Joli, non? Et assez nouveau dans les annales de l'espionnage. Oui, mais c'est pas encore joué. Avant d'encaisser nos dollars, on reste encaissé du plan. Donc, c'est ce matin que tu lâches ton Canadien? Oh! Wouhou! Hé! Ah, mais t'es dans les Stratus? Fais un piqué, redescends, hein? C'est Merlet qui te préoccupe. Si le Toubib l'interdise de vol définitivement, ce sera un coup terrible pour lui. Ouais. Voler, c'est toute sa vie. Je le connais bien. Il ne sera rien voir. Saint-Dizier, il était le plus mordu de nous tous. Bon. Bon, ben, j'y vais. Déjà hier soir, au dîner, il plaisantait. Bonjour. Capitaine. Capitaine. On racontait ses tests médicaux à Bodigny. Mais le cœur n'y était pas. Sa femme a téléphoné. Il n'est pas rentré chez lui. Il doit être en train de faire un dégagement sournois. Je comprends ça. Ce n'est pas le genre de Merlet. Après le coup d'hier, il ne devait pas avoir le cœur à la rigolade. Merlet? Je l'ai vu hier devant le poste de garde. Il partait quand j'arrivais. Il était à moto environ de minuit. Sur une moto, Merlet? Oui, j'ai cru que sa voiture était en panne. On demande le commandant Mounier. C'est très urgent. Tanguy, prenez-le, voyez ce que c'est. Lieutenant Tanguy à l'appareil. Mes respects, mon commandant. Le commandant Mounier est en vol. Un motocycliste écrasé par un chauffard sur la route de Pissin. La moto est une machine de la base. Bien, mon commandant. J'envoie quelqu'un tout de suite. Les gendarmes viennent d'appeler le bureau du colonel. Ils ont été avertis par l'aubergiste de la licorne qui a ramassé le motard. Tu crois que c'est Merlet? Aigus est dans le coma. Il était en civil, sans papier. La verdure, filé à la licorne. T'as des chances d'arriver en même temps que l'ambulance, il vient seulement de partir en France. Mais qu'est-ce qui se passe? Merlet. On craint qu'il ait eu un accident sur la route. Hein? Vous vouliez retarder le vol, peut-être? Aucune raison. Aucune raison.
Vous décollez à 8h30. Vous devriez faire vite. Vous devez encore vous changer. Où est le blessé? Tenez, là. Il a ouvert un œil tout à l'heure, il essayait de parler. Mais capitaine, répondez-moi. C'est la verdure. Ah, docteur. Vous volez aussi, Tanguy? Oui. Merlet devait prendre la veille au hangar d'alerte. Je le remplacerai jusqu'à ce qu'on ait désigné le cadre. Dans ce cas, ça vous ennuierait de me prêter votre voiture pour une heure? J'ai une course urgente à faire à Dijon. Les papiers sont dedans. Attention de ne pas la cabosser. Bien sûr. Alors? Il devrait être mort. Quelle histoire, croyez-vous? Et mon téléphone, les fils arrachés. Ah, si je tenais le vandale qui... Les fils arrachés, pourquoi? Bon, c'est sûrement cette espèce d'anglais ou d'américain là, qui voulait téléphoner à tout prix, et tout de suite à Paris. S'il n'y avait plus personne, je fermais et... Taisez-vous. Les Canadiens. Pas les vrais. Gagnon veut voler l'avion. Bon, emmenons-le. Brancardier! Celui qui a arraché les fils du téléphone, il était comment? Un grand, un beau gars, avec l'accent anglais. C'est bien Lester. Le salaud. L'indicatif sera Yankee Papa. Mission, vol de navigation avec bidon et pétrole maximum. Toute la mission se déroulera à la limite de la tropopause. À 30 000 pieds, le régime économique. L'altitude de formation des traînées de condensation est à 28 000 pieds. Ciel clair sur tout le parcours, sauf dans le nord. 4 huitièmes de nuages des Stratus. Le plafond est à 1200 pieds. Oui. Vous travaillerez sur les radars de Drac, Romilly et Lyon. Notez les fréquences de travail. Fréquence d'alerte 243.0. Bien, la route. D'abord, au 045 jusqu'à Strasbourg. Ensuite, cap 300 jusqu'à Lille. À la verticale de la ville, vous prenez le cap sud jusqu'à Clermont-Ferrand. Et ensuite, cap retour au 045. Pas de questions? Pas de questions. Bien. Maintenant, c'est l'heure. On vole. Et ce soir, pour mon premier vol solo, champagne pour l'escadron. Thank you.
Michel, monte, vite, vite. Faut l'arrêter, vite. Mais qui? Gagnon, c'est un espion. Mais tu es fou. Esther a écrasé Merlet et Gagnon file avec l'avion. Vite, vite, allez, allez, vite. Yankee Papa de Radio Bertrand. La piste en service est la 020. Là-bas, la balayeuse. Mettons-la en travers de la piste pour empêcher Gagnon de décoller. Allez vite. Paul, ils ont failli percuter Yankee Papa. Qu'est-ce que tu racontes? Allô, passez-moi la sécurité. Démarrage immédiat, je décolle, vite. Alerte les opérations, hein. Fais-moi donner la piste. Zorro de Carnaval. Zorro de Carnaval. Je suis en route et l'alerte est donnée. Via radar de Echo Delta, amenez-moi sur Yankee Papa pour interception. De Lyon radar, bien compris. Venons d'être alertés par Radio Bertrand. Prenez le cap 905.
Zorro de Carnaval. Je ne vous entends pas, je demande instruction. Equifax, ici Tanguy. Je suis dans votre dos. Vous ne vous en sortirez pas. Demi-tour immédiatement. Regagnez la base. Zorro de Carnaval. J'y suis fait. Je suis pris en chasse par un autre mirage. Carnaval! Carnaval, ici Zorro! Mais défendez-vous, bon sang! Qu'est-ce que vous attendez pour le descendre? Le descendre, vous êtes cinglé, non? Tanguy est le meilleur pilote de Dijon. Carnaval! Carnaval, gagnez du temps! La frontière est toute proche, tenez le coup jusque-là! Gagnant, inutile d'essayer de décrocher. Vous ne le sèmerez pas, vous le savez. Dernière sommation. Demi-tour, j'ouvre le feu. Vous n'oserez pas, Tanguy, vous bluffer. Il y a trop de risques pour les civils en bas. En dessous, c'est la forêt. Tant pis pour vous, Gagnant. Tanguy, cessez le feu. Cessez le feu ou je m'éjecte. Gagnant, j'ai arme ma fusée. Non, stop. Je me rends, ok. Je vire par la gauche. Au moindre écart, je vous envoie au tapis. Radio m'approche de Echo Delta. Interception terminée. Alertez le comité d'accueil. Ben moi qui croyais que les espions c'était du cinéma. Finalement c'est ce pauvre Merlet qui paye les pots cassés. À l'hôpital vient d'appeler. Il s'en tirera. Ben j'espère que les salopards qui ont monté cette affaire, ils s'en tireront pas. Parce que... Je me demande ce que sont devenus le vrai Gagnon et le vrai Lester. La sécurité se chargera bien de les retrouver. Là. Tiens, les voilà. C'est hallucinant, j'ai l'impression que tout recommence. Oui. Lieutenant Lester ? Oui. Bonjour. Bonjour. Capitaine Gagnon ? Bonjour. Lieutenant Michel Tanguy. Mademoiselle Logier. Glad to meet you. Enchanté. Thank you. Excusez ce retard, vacances forcées jusqu'à ce que nos geôliers déguerpissent. La voiture nous attend, si vous voulez. Ah, oui. Oh, non, oui. J'espère que ce sont les bons cette fois-ci.